En France, à Blois, en 1805, naît un certain Jean-Eugène Robert. Si l'on passe rapidement son enfance, il se marie par la suite avec une certaine Cécile Églantine Houdin. Il va alors prendre ces deux noms pour former celui qui allait le rendre célèbre, Robert Houdin. Il installa un théâtre au 11 rue de Valois en 1845, qui fut transporté par son successeur et beau-frère Hamilton au 8 boulevard des Italiens en 1854. On peut apercevoir la façade de ce dernier théâtre sur plusieurs cartes postales reprenant des photos de l'époque. La plupart des tours que Robert Houdin présentait devinrent complètement mythiques, comme l'oranger, la bouteille inépuisable, le pâtissier du palais royal, la suspension éthérienne ou encore Antonio Diavolo, le voltigeur au trapèze. À ce propos, une vidéo existe et montre comment John Gaughan est parvenu à restaurer l'automate original de Robert Houdin pour le présenter de nouveau de nos jours. Je vous recommande d'aller la voir pour vous rendre compte de l'impact que pouvait produire cet automate et je vous laisse le lien en description. Le théâtre eut bien plus tard de nombreux successeurs, dont Cleverman ou Brunet, et Robert Houdin fils. En plus de ses nombreuses créations, Robert Houdin était un infatigable écrivain, puisqu'il publia entre autres ses mémoires, un livre sur la tricherie et même sur l'ophtalmologie. Après un séjour en Algérie, à vocation politique, il se retire à Saint-Germain-la-Forêt, près de Blois, dans son prieuré. Cette maison était fascinante, puisqu'elle comprenait de nombreuses applications, notamment de l'électricité, pour se faciliter la vie. Robert Houdin y décède le 13 juin 1871. Sa vie sera par la suite longuement étudiée et commentée par divers biographes, dont le plus célèbre est certainement Christian Fechner, qui écrivit un véritable monument en 4 tomes sur la vie de Robert Houdin, avec des illustrations pour la plupart complètement inédites. Il participa également à l'élaboration de la Maison de la Magie, à Blois, qui rend hommage à l'illusionniste blésois, une statue de lui étant même sur la place. Ainsi va l'histoire de la magie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager, ou bien nous suivre sur Twitter, Facebook, ou encore vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter ou laisser un j'aime pour nous dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode d'un format nouveau, et je vous dis à très vite pour découvrir de nouvelles facettes de l'histoire de la magie.